Voilà, monsieur, bonjour. Grande et bonne surprise, je vous le concède, de réaliser que ce n'est pas une de 100 photos assis sur ce plateau de Midi Première aujourd'hui. Vous inquiétez pas, rien de grave, vous le retrouverez dès la semaine prochaine, lundi et mardi, dans le cadre des magazines du Midi. Alors, nous espérons que c'est un bonheur également pour vous de nous retrouver. En tout cas, nous sommes très heureux. Et puis, le contenu, vous le savez, il est inchangé, hein, du lundi au vendredi, le principe, le concept. Et le même, différents invités viennent s'adresser à vous. Maintenant, il y a quelques aménagements, hein, d'un jour à l'autre, quelques aménagements. Et là, l'aménagement pour cette rubrique, pour ce magazine du mardi, c'est la rubrique « C'est bon à savoir ». Il y a des choses que l'on pense savoir que l'on ne sait pas vraiment. Il y a des choses qu'on ne sait pas et que l'on aimerait savoir. Et c'est vrai qu'il y a également des choses qui ne nous intéressent pas, c'est vrai. Mais l'un dans l'autre, il ne faut pas refuser d'apprendre dans la vie. Il ne faut pas refuser de s'améliorer. Nous avons un invité qui nous parle d'une fête contextuelle, qui est la fête de Noël, en long et en large. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pensait savoir qu'on ne sait pas vraiment. La rubrique s'appelle « C'est bon à savoir ».
Notre invité est le missionnaire Jean Dianda. Bonjour, missionnaire. Bonjour, Marianne. Alors, c'est bien évidemment quelque chose de contextuel, la fête de Noël. Alors, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses, mais finalement, on réalise qu'on vit dans une bulle et qu'il y a peut-être beaucoup de détails que vous pourriez nous apporter sur ce plateau. Oui, merci, Mariam. Merci, chers téléspectateurs. Il s'agit de l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande maladie. Tout à fait. L'une des plus grandes intelligences disait la maladie la plus grave, c'est l'ignorance. Ce n'est pas le sida, c'est l'ignorance. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Et puisqu'aujourd'hui, nous devons savoir, Noël, c'est vrai, c'est une fête qui se prépare encore pour la énième fois, mais nous devions nous poser la question, d'où tout ceci vient? Quelle est l'origine de cette fête? Ça, ce sera le premier volet. Le deuxième, c'est l'arbre même de Noël, le sapin de Noël, parce que c'est devenu une tradition. Et en dernier ressort, nous parlerons des Pères Noël, qui est devenu une question de vie ou de mort. Et nous sommes ici sur ce plateau avec la parole de Dieu pour éclairer nos populations dans le contexte original. Et Noël n'a jamais été, comme vous le savez tous, comme moi, une fête véritablement chrétienne. C'est une fête païenne et la date même du 25 décembre a été fixée unilatéralement par l'Empire romain. Et cette date a été épousée par tout le monde, tous les religieux, en dehors bien sûr de ceux-là qui ne professent pas le christianisme. Attendez, donc Noël n'est pas une fête chrétienne? Non, 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 il n'y a aucun serviteur de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui pourrait nous démontrer clairement que Noël soit une fête chrétienne. Les fêtes bibliques d'ailleurs sont dans Lévitique au chapitre 23, il y en a 7, et Noël n'en fait jamais partie. Noël, je dis bien que ça a été inventé en l'an 300 de notre ère par l'Empire romain. Et la date même du 25 décembre, c'est une coïncidence avec la célébration des solstices d'été, c'est-à-dire du dieu soleil invaincu. Et comme les païens aiment bien adorer des créatures au lieu de créateurs, c'était tout à fait normal que la religiosité puisse aujourd'hui chercher à adorer encore le soleil sans le savoir. Sans le savoir, vous avez dit, on connaît beaucoup de choses, mais peut-être pas beaucoup plus. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'on fête le 24 décembre alors? Les gens, le 24 décembre, fêtent l'ennemi, fêtent le dieu soleil sans le savoir parce que c'est sous couvert de Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ, mais en réalité de Yeshua HaMashiach. On nous a fait savoir depuis notre bas âge que Jésus, Yeshua, était né le 25 décembre. En réalité, ça n'a jamais été le 25 décembre qu'il était né. Il était né certainement entre le mois d'avril et le mois de mai, parce qu'il était l'agneau de Dieu. Et l'agneau, les agneaux naissaient entre avril et mai, et jamais en décembre. Et d'ailleurs, en décembre, il faisait très froid sur les montagnes d'Israël. Ce n'était pas possible que les bergers se retrouvent dans une veillée, puisque quand le Seigneur est né, la Bible nous renseigne que les bergers étaient dans les champs, dans des veilles de nuit, qui paissaient leurs troupeaux. Ils ne pouvaient pas paître le troupeau sous la neige quand même. Donc, c'est une fête purement païenne, mais qui a été récupérée par des chrétiens limitrophes, parce qu'il y a des chrétiens fondamentaux, des gens qui croient véritablement la Bible, rien que l'Écriture, il y a aussi des chrétiens. Mais donc, a priori, pourquoi est-ce que ces chrétiens limitrophes auraient récupéré cet événement? Oui, parce qu'ils aiment fêter. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du savoir, parce qu'il s'agit de la rubrique même. Mais si on n'a pas des gens qui puissent nous donner le savoir, vous voyez, et la Bible elle-même dit dans Jean chapitre 3, verset 32, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est seulement lorsque nous rentrons en contact avec la vérité que nous devenons libres. Bon, nous sommes tout petits. On nous dit bien que Jésus est né le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas mieux que ça. Mais avec le temps, avec le recul de temps, maintenant le Seigneur nous envoie des hommes de Dieu et avec des chercheurs aussi, parce que l'histoire est têtue, comme vous le savez. On finit par découvrir que non, le 25 décembre, ça n'a jamais été la date de la naissance du Seigneur, mais c'était bien plutôt l'anniversaire du Dieu Soleil, comme ça se faisait avec tout bon monde. Maintenant, les chrétiens, comme ils aiment célébrer, ils aiment fêter, comme si chaque jour ne mangeait pas.
Parce que je sais que le 24, ce que nous allons manger, c'est ce qu'on a toujours mangé. Mais la chose que nous devons dire ici, c'est que c'est le caractère idolâtre que la chose prend, parce que maintenant, c'est devenu du commerce. C'est vraiment... devenu du commerce, mais attendez, parce que là, vous êtes en train de me faire douter de beaucoup de choses. Mais on réalise qu'à travers la planète, le 24, le 25 décembre, les gens vont à l'église et les hommes de Dieu à l'église les accueillent. Et puis, c'est pour parler de la Noël. Oui, même si toute la planète célébrait la fête de Noël, la majorité pour Dieu, ce n'est pas la quantité. La majorité pour Dieu, c'est sa volonté. Vous vous rappellerez bien que même du temps de Noé, toute la planète était en dehors de l'arche de Noé. Il n'y a eu que 8 personnes dans cette arche. Et voilà les personnes qui furent agréables à Dieu. Donc, il n'est pas question de dire non parce que c'est tous les 5 continents. Non, non. Du temps de Noé, les 5 continents existaient, le monde existait, mais ils ont péri tous, sauf 8 personnes qui avaient fait la volonté de Dieu. Et là, nous sommes dans Genèse, au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et au temps d'Abraham, Abraham qui est le père et de chrétiens et de musulmans, nous voyons là que Dieu a détruit 2 villes importantes, Sodome et Gomorre, sans tenir compte des villes voisines. Mais de toutes ces villes, les 2 principales villes et les autres villes atténuantes à Sodome et Gomorre, il n'en sauva que 3 personnes. Bon, aujourd'hui, il sera paradoxal, Marianne, qu'un petit groupe, une minorité de gens s'élève pour dire « Noël, là, ce n'est pas la fête biblique, ce n'est pas une fête chrétienne » et que par contre, la majorité de l'autre côté... C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que la planète entière se trompe et il y a une poignée de personnes qui connaissent la vérité. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 que Babylone, la grande, a enivré toute la terre. Donc, ce n'est pas parce que toute la terre marche nue que moi, je dois me déshabiller si je suis un homme de bon sens. Vous voyez, non? Oui, mais c'est peut-être si justement toute la terre marche nue qu'il faut le faire, à moins d'être marginal. Voilà. Parce que la notion de marginalité est relative. Oui. La marginalité, c'est quand on est en dehors de la norme établie. Voilà. La norme établie, c'est ce que toute la planète fait. La norme établie par les hommes n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, « Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ces voix ne sont pas nos voix. » Donc, nous pouvons établir des normes. Nous pouvons dire que c'est comme ceci. Et lorsque Dieu s'élève pour dire « Ce n'est pas ça », alors nous rallions. Nous devons nous ranger derrière la volonté de Dieu, même si ceux qui sont derrière cette volonté sont minoritaires. En réalité, la majorité pour Dieu, c'est la parole, la volonté de Dieu et non la quantité. Non, ce n'est pas ça. Regardez même lorsque Moïse, que les autres appellent faussement Moïse, il libère le peuple d'Israël de l'Égypte, 2 millions de personnes vont sortir de la terre promise pour que seules 2 personnes rentrent dans et sortent de l'Égypte. 2 personnes seulement vont entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la sélection de Dieu. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, nous pouvons citer ici William Branham, avait prêché une prédication intitulée « 2 sur 2 millions ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc ce n'est pas parce que la quasi-totalité de nos populations, puisque maintenant les gens, même les pêcheurs, les féticheurs, les voleurs, les prostituées, les menteurs, même des aventuriers, sont en train de se frotter les mains pour célébrer encore Noël. Mais si Noël était célébré dans le cœur des hommes et des femmes régénérés, transformés radicalement par la parole, je pense que le monde se transformerait. Là où c'est effectivement ce qui est tout à fait vrai, c'est que Noël aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour, beaucoup de fêtes de boissons. Faut le dire également. Le vendeur en profite. C'est vrai, c'est très commercial aussi. Les maquis, je connais des amis qui ont fait de belles provisions parce qu'ils savent que c'est Noël. Mais est-ce qu'à l'époque où Yeshua Ramash était né, il y avait une fête sur la terre? Au contraire, les gens ne savaient même pas qu'il était né. Non, Dieu est dans la simplicité. Et aujourd'hui, les plus pauvres souffrent parce qu'ils ne peuvent pas égayer leurs enfants avec de nouvelles tenues de Noël. Mais si chacun pouvait se procurer une nouvelle tenue de la nouvelle naissance, de la régénération de l'âme, moi je pense que ça marcherait. Plus nous fêtons Noël, plus nous devenons mauvais et méchants et les gens ne sont pas transformés. C'est tellement riche tout ce que vous dites qu'on va continuer puis revenir là-dessus. Dans ces conditions, à la limite, on est très curieux de savoir, selon vous, l'arbre de Noël, est-ce que c'est le symbole auquel on est attaché? Parce que en y réfléchissant bien, on est tous en train de rechercher un sapin. Maintenant, il est vert, il est blanc, il est même rouge. J'ai vu des sapins rouges. Multicolores avec... Quel est le sens réel du sapin? Voilà, le sens original du sapin de Noël remonte vers 615 de notre ère. Il s'agit d'un saint colomban qui, lui, il était moine irlandais.
Ces messieurs étant moines, ils devaient sillonner le monde pour installer, pour construire des monastères. Il arrive en France, en Italie, où il faisait des navettes. Et l'histoire nous montre, vous pouvez aller cliquer dans Google sur Internet, on nous montre que Saint Colomban arriva en Europe qui était totalement païenne, puisque l'Europe jusqu'en 600 était totalement païenne. Qu'on ne vienne pas nous dire que Yeshua, Jésus, vient de l'Europe. Non. C'était de païen il n'y a pas très longtemps. Alors il arrive là, on montre bien dans l'histoire que personne ne s'occupait de Saint Colomban. Personne ne voulait entendre parler de l'évangile. C'est ainsi que celui-là va inventer cette histoire de sapin de Noël. Il va faire un arbre dans lequel il va placer des jeux de lumière pour attirer la foule. Bon, pour Saint Colomban, c'était juste un appât, comme tout bon pêcheur qui va avec sa ligne à la rivière. Il a besoin d'un appât pour attirer les poissons. Et l'histoire nous montre que lorsque les gens venaient s'attrouper pour observer et admirer les lumières qui étincelaient dans le sapin de Colomban, lui en profitait, Mariam, pour prêcher l'évangile entre guillemets. Ce n'est pas ce qu'il prêchait exactement, pour prêcher l'évangile. Mais donc, aujourd'hui, en fait, lorsqu'on plante un arbre, ici on met des jeux de lumière, c'est tout autour, c'est la rumba, tout autour, c'est la musique, cadence et tout ça, des femmes nues, des hommes impossibles, des fumeurs, du chanvre, tout autour du sapin de Noël. Est-ce que ça, en tout cas, vous allez nous dire que c'est la main de Dieu? Ce n'est pas possible. Donc, à l'origine, c'était pour attirer les foules que ce moine-là a eu cette idée originale. Voilà, c'était la pensée originale, c'était ça, parce que les gens ne s'intéressaient pas à l'évangile. Donc c'était une coïncidence qu'il ait voulu attirer les foules dans la période de Noël. Oui, c'était voulu. C'est-à-dire que comme Noël, ils l'ont placé en décembre, lui aussi faisait tout pour que son arbre prenne lieu en décembre, parce que vous savez, en décembre, les païens aiment fêter avec le bruit, avec des attroupements. Alors, ça ne pouvait qu'attirer l'attention. Maintenant, qui peut ne pas vouloir vendre maintenant? Nous sommes le 20 ou le 22 décembre. C'est la date des affaires maintenant. Ça n'a rien à voir avec le christianisme original. Non. C'est, vous savez, un bon commerçant, il profite de toutes les bonnes opportunités. Et puis, on ne va pas placer son magasin n'importe où. Il faut un carrefour où c'est brillant. Alors, c'est ainsi que tous les hommes d'affaires, tous les grands commerçants, ils savent, personne ne nous contredira, qu'en des dates comme celle d'aujourd'hui, non, c'est l'époque où on peut faire des bonnes affaires. Mais est-ce que vous reprochez le fait qu'on s'amuse dans cette période-là? Ah, mais il ne faut pas s'amuser en prenant la couverture comme couverture le nom de Dieu. On peut s'amuser autrement, on peut s'amuser, tous les jours les gens s'amusent. Mais lorsqu'on vient s'amuser au nom de Dieu, les gens qui s'amusent comme ça seront frappés, parce que la Bible dit dans Galates au chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Moi, je ne dois pas venir prendre le nom de Dieu pour mentir. Pour dire que non, c'est Dieu, alors que moi, je sais que je fais mes affaires. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, beaucoup de gens vont s'enivrer dans 2-3 jours-là, plus qu'ils l'ont fait. Et beaucoup vont voler même. Il y en a maintenant qui sont en train de voler parce qu'ils doivent avoir quelque chose pour fêter la naissance de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et les filles vont se prostituer. Il y en a qui ont déjà pris des rendez-vous avec des femmes mariées, avec des filles vierges, pour célébrer la naissance de Yeshua, de Jésus. Donc là, nous pouvons même conclure que non, ce n'est pas cette naissance-là, ce n'est pas vrai. Parce que c'est Dieu-là qui, en un jour comme celui de la naissance de son fils, ne peut pas sanctifier le peuple, mais plutôt c'est le début des boissons qui vont vraiment tourner au rythme du rock'n'roll, ce n'est pas normal. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que vous éveillez les consciences. Mais selon vous, qui est ce bonhomme qu'on appelle le Père Noël? Le Père Noël, c'est un personnage qui ne date même pas de très longtemps, qui lui a essentiellement épousé la quasi-totalité des idées de Colomban avec le sapin, puisque le sapin de Noël, l'arbre de Noël et Père Noël, ça marche de pair, ça ne peut que se marier. Alors c'est un vieillard qui, pour moi, qui est juste en quelque sorte un bluff
pour amuser les enfants avec sa barbe blanche, très longue. Mais les deux se sont connus, le moine et puis lui. Oui, mais c'est des oiseaux de même plumage. Voilà pourquoi Père Noël lui a puisé plus chez le moine, chez le moine colombin. Et alors maintenant, lui, il est devenu plus célèbre même que tous les autres. On ne peut pas fêter Noël aujourd'hui. Mais déjà, le moine, lui, c'était pour attirer les foules pour prêcher. Et le monsieur qu'on appelle le Père Noël, c'était pour faire c'est quoi? C'est pour se moquer de la créature du Dieu vivant, pour amuser la galerie. Et vous allez voir, c'est dans deux jours, vous allez voir, il n'y aura même pas de prédication. Il n'y aura pas de conversion. C'est des gens qui vont aller de rue en rue, des avenues en avenue, qui vont monter, descendre, crier en désordre, sans savoir pourquoi même on crie. Pourquoi on suit ces papas-là? Et il y a combien de Pères Noël dans le monde aujourd'hui? Il y en a combien? Il y aura combien à Abidjan? À tout le monde dit combien, à Yamoussoukro combien, en France combien. En ce temps-là, il y avait un seul Père Noël. Et aujourd'hui, il y en mais c'est combien. Peut-être pour apporter la magie aux enfants également. Et comme les enfants sont partout dans le monde, peut-être qu'il y ait des doublures du Père Noël un peu partout. Voilà, ça devait être le travail peut-être des hommes du monde et non des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont une mission spécifique. Hamashia a dit à ses serviteurs, allez par tout le monde. Hamashia, c'est ce qu'on appelle le Christ. Okay. Le Christ, là, c'est faux, c'est une aberration gréco-romaine. Mais la vraie prédiction, c'est Hamashia. Et pourquoi c'est une aberration? Oui, mais parce que le nom d'une personne, le nom original, ne se traduit jamais. On nous avait dit, je peux dire même qu'on nous avait menti, que le Fils de Dieu s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Non. En Israël, il n'y a pas de Jésus-Christ de Nazareth, mais il y a Yeshua HaMashiach en Oshri. Voilà le vrai nom. Maintenant, avec des conflits qu'il y avait entre Jérusalem et la Rome et la Grèce, il fallait écarter les noms originaux. C'est ainsi que les Grecs et les Romains, au concile de Nicée en 325, ils écarteront le nom original de Yeshua HaMashiach pour le remplacer par Jésus. D'abord, c'était Jésus Christos. Plus tard, Jésus-Christ et d'autres même, Jesus Christ. Mais le nom d'une personne, c'est son identité. Le nom ne se traduit pas. Si Yeshua existait encore jusqu'à aujourd'hui, il viendrait à Abidjan s'appelant toujours Yeshua Ramachia. Vous n'allez pas rattirer dans son passeport. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous voulons dire à tous les chrétiens, puisque vous avez posé une très bonne question, vous devez savoir que son nom original, c'est Yeshua Ramachia Ben Daoud. Et pourquoi nous nous accrochons à ça? Parce que dans l'originalité, il y a une puissance, il y a une force. Alors, il fallait que les gens se posent la question, que veut dire Jésus avant d'évoquer Jésus? Jésus dans les dictionnaires, puisque nous parlons à toutes les couches, aux intellectuels, aux professeurs des universités, aux chercheurs, aux historiens, Jésus veut dire gros saucisson. Personne ne me dira le contraire. Mais Yeshua, Hamashiach signifie Yahweh Sauveur, Libérateur Unique. Ils ont écarté le nom de Yeshua, ils ont mis Jésus Christos pour dire par après qu'il y a trois personnes en Dieu, une trinité de personnes qui n'existent pas parce qu'un véritable enfant de Dieu, qu'il soit chrétien ou musulman, il devait savoir Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oui, attendez, moi ce que je vais vous demander, c'est que les hommes de Dieu donnent des enseignements. À certains grades même, il y a une certaine hiérarchie. Des sommités même. Mais je les reçois sur mon plateau tous les jours. Je les vois. Que Dieu fait, on peut dire Dieu? On peut dire Dieu? Ah oui, mais en fait c'est Elohim. Aha, tous les jours que Elohim fait. Dans ces conditions, on vous remettait tout en cause. Parce que ces personnes-là sont là pour enseigner. Alors si les enseignants eux-mêmes ont besoin de se recycler, on fait quoi? Oui, ils ont besoin de se recycler comme ça se fait aussi dans le monde. Il est vrai que nous ne disons pas que nous maîtrisons toutes les matières. Mais ce qui est vrai, c'est que chaque jour nous apprenons. En Israël, il n'y a pas d'accent J. Il n'y a pas de Benjamin Netanyahu en Israël. C'est Benjamin Netanyahu. Alors, les gens devaient se poser la question, pourquoi lui est Benjamin alors que nous pensions que c'était Benjamin? Donc, J en Israël, c'est Yod, I. Donc, il n'y a pas de Jean, c'est Yohanan. Il n'y a pas de Joseph, c'est Yosef. Il n'y a pas de Jésus, c'est Yeshua. D'accord. Il n'y a pas de Jérémie, c'est Irmeyahu. Alors, la vraie Noël, c'est lorsque vous acceptez Hamashiach dans votre vie et vous êtes transformé, vous êtes une créature nouvelle. C'est la dernière question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens fassent à partir de maintenant en ce qui concerne déjà la fête de Noël?
Et puis, pour les chrétiens exclusivement ou bien pour les autres personnes également, vous les intégrez? La fête de Noël a été épousée maintenant par tout le monde, hein, même les musulmans, puisque que voulez-vous? Mais ça, moi, c'est, ça vous, vous trouvez moi, ça... Moi, je suis chrétien, mais quand il y a Tabaski, je mange mon mouton. Ah, quand même! Je mange, je cherche même les amis musulmans, mais ça, est-ce que ça ne vous dérange pas en ça tant que chrétien? Ça ne me dérange pas. La Bible me dit, si on vous invite, mangez sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mm-hmm. Si vous avez fait vos fêtises, ce n'est pas mon affaire, je vais manger mon mouton. Mm-hmm. Alors... Tout ce qui bête, vont fêter une Noël. Bête immolée, ne vous dérange pas. Je veux manger tant qu'on n'a pas fait un avertissement contradictoire. D'accord. Donc aujourd'hui, pour vous qui fêtez, nous on n'a pas peut-être assez d'argent. Préparez poulet de Noël. Je viendrai manger. Et la, dinde, et la dinde de Noël et puis la bûche de Noël. Je vais manger, même la sucrerie, je vais prendre. D'accord. Seulement, je ne crois pas qu'il est né le 25 décembre. Mm-hmm. Je ne crois pas que Dieu est derrière toutes ces choses. Mm-hmm. Parce que nous mangeons, nous buvons, nous fêtons chaque jour au nom de Yeshua HaMashiach. Alors, c'était une grande rubrique, mais ce qu'on va demander à la réalisation, c'est surtout de nous faire venir pour une prochaine émission quelqu'un d'autre qui a un courant de pensée relativement différent, et puis qu'on puisse un peu confronter ces deux opinions. Parce que là, j'avoue que je tombe des nues. Hein. Mais bon, l'ignorance étant la pire des maladies, au moins je cherche à me soigner. C'est déjà une étape. Ah oui. Merci à vous. C'était le missionnaire Jean Dianda. Que vous pouvez joindre au 06 89 89 65 ou encore au 07 11 26 40. Et comment on dit que Dieu vous bénisse? Elohim Barak, comme il est dit par exemple. Je voulais répéter. Hosanna, béni soit celui que vient au nom du Seigneur. En réalité, c'est Hosanna, Hosanna, Barwaba, Beshem Adonai. Comment je peux faire en plus court pour dire que Dieu vous bénisse? Qu'Elohim vous bénisse. Qu'Elohim vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Ah, on dit Amen quand même. On dit aussi Amen. Ok. Merci à vous. Merci. Nous avons une transition et nous recevons nos invités. Voici le moment attendu. Didier Rodouille de retour. Serge Beno, arrangeur. Toujours pointinini. Dédicace celle à tous les managers, on est ensemble. Année Mélo, année Mélo, année Mélo, année Mélo. Aïe, au bas, y'en a bas, pour mes amis, c'est Beno. Aïe, au bas, y'en a bas, pour mes amis, c'est Beno. Aïe, au bas, y'en a bas, pour mes amis, c'est Beno. Oh, hello, hello. DJ Rodrigue a chanté pour le bonheur des Ivoiriens. Ouais, c'est ça. C'est souvent dur de plaire à tout le monde. Ah bon? Mais on essaie comme on peut pour vous faire plaisir. DJ Rodrigue a chanté. Ah ouais? Tu veux pas, tu vas danser. Docteur tu veux, Cruz, tu veux pas, Docteur tu Cruz. Vas danser. Une case spéciale à tous mes fans depuis l'Italie. Depuis l'Italie. Ouais. Paris. Hommage à tous les DJ. On se lève. On ensemble. Johnny Chien, Sombo. Bon Mathieu. Bon que Sylvie. La marraine Audrey Boudet. Année